Expliquer ça un peu. Amen. Ce que vous avez dans les bouteilles là, c'est de l'huile d'olive. Ok. Et on appelle ça l'huile d'onction lorsque c'est consacré, lorsqu'on a prié. Ça devient l'huile d'onction. Ça dit ça a une portée maintenant spirituelle. Il y a quelque chose de spirituel qui rentre dedans. Est-ce que c'est biblique? Je dis oui. Au temps de Jésus-Christ, les disciples ont utilisé l'huile d'olive, plus de l'huile d'onction pour aller guérir les malades. Amen. Amen. Je fais la lecture. C'est dans Marc, le chapitre, Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, le verset 13. Comme cette dame, je lui disais tout à l'heure dans mon bureau, j'ai dit, il y a un truc de sorcellerie qu'ils ont mis ici, elle. On prend son corps, elle, la dame. Pour quelqu'un qui voit pas comme, qui n'a pas un détecteur comme moi, et directement les sorcières. Mais elle utilise son corps pour aller faire la sorcellerie. Ouais. Moi j'ai un détecteur dans la tête. Je sais qui est pas sorcier, qui est sorcier, qui n'est pas. Oh, regardez, dans Marc 6, le verset 11, j'ai fait la lecture. Le verset 13. Le verset 13, Marc, l'évangile de Marc, le chapitre 6, le verset 13. Il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Il chassait beaucoup de démons, il oignait des gens d'huile et les guérissait. Donc, oui, dans le cadre de la sorcellerie, la pratique de la sorcellerie, sur le corps humain, la vie de quelqu'un, c'est vrai que la prière, Jésus, on sait la prière, dit, à mon nom, vous allez imposer les mains, guérir les malades. Mais regardez, tous ceux qui sont victimes de sorcellerie, qui ont eu des blocages, il faut une action. C'est ce qu'on appelle l'action prophétique. Et l'huile symbolise le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. C'était le symbole. Or, la Bible dit que l'onction brise le joug. Qu'est-ce qui a été fait sur toi pour détruire? C'est ça. C'est vrai que la prière, mais quelle est l'action qu'on a menée pour détruire la présence de la sorcellerie? J'ai expliqué ce matin quelqu'un sur le Skype. J'ai dit, regardez le baptême. Le baptême n'est plus sauf en tant que tel. Et quand vous baptisez, pour nous les évangéliques, nous baptisons par immersion. Qu'est-ce qu'on fait? On plonge la personne dans l'eau. On dit tu meurs avec Jésus et tu ressuscites avec lui. Mais en temps normal, Jésus-Christ est déjà mort. Pourquoi mourir et ressusciter avec lui? En te plongeant dans l'eau, c'est une manière de dire, c'est fini avec tes péchés, c'est fini avec le monde, c'est fini avec certaines choses, le péché surtout. Et j'ai une nouvelle naissance que le baptême crée. Amen. Amen. Maintenant, pour ceux qui ont des problèmes de sorcellerie, c'est vrai qu'on va beau prier, parler, mais il faut une action. Tant que l'action n'est pas menée, vous serez toujours malmené par les sorciers. Ce qui les effraie, c'est une action de Dieu. C'est comme il y a des moustiques dans la maison, vous allez beau crier, tout ça. Si vous n'arrivez pas à détruire, prendre des produits pour les détruire, il sera difficile. Or, quand vous menez une action de l'huile d'onction sur la vie de quelqu'un, non seulement ça détruit certaines choses, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore une autre action. Parce qu'il y a des gens qui font. Ici, nous avons trois sortes d'actions. Et il y a une action qu'on mène. C'est comme vous voyez, pour ceux qui ont déjà vu de l'or, pour ceux qui n'ont pas encore vu de l'or, quand on crée son anneau de l'or, c'est noir. Ceux qui ont encore vu de l'or, qu'on extrait de l'or, c'est carrément bizarre. C'est pas pur, ça ne brille pas. Ça a la couleur même du sable. Et il y a un produit qui vient purifier l'or. C'est comme ça. Quand on nettoie l'étouffé éteint, il est pourtant difficile même d'avoir accès avec un mari. Tout ce qui est bénédiction, c'est vraiment difficile. Ça dit que ton étoile a été détruite. Amen. Amen. Tout ce qui est chance, tout ce qui est. C'est des gens bizarres. Quand on parle de mariage, tu as problème. Et c'est comme le non-aboutissement dans ta vie. Il faut une action. Ça dit que ton étoile a été étouffée. C'est vrai que tu as les opportunités, tu as des rencontres, mais ça ne te profite pas. Les choses se dégradent autour de toi, ça se dégrade autour de toi. Ça veut dire quelque part, il faut qu'il y ait une action qui va, n'est-ce pas, faire redémarrer ta vie. Pour ceux qui sont dans les outils informatiques, ils savent bien, quand un ordinateur est planqué, il faut faire redémarrer l'ordinateur. On fait redémarrer. On n'éteint pas, il y a deux systèmes. Il y a l'éteint, on l'éteint complètement. Et puis il y a un autre système, on dit redémarrer.
C'est-à-dire que tu l'éteins effectivement, mais il redémarre seul. C'est comme ça. Donc ça veut dire que l'action de lui, elle vient redémarrer vos vies. Or, le diable met vos vies au point zéro. Après que tu pars, tu reviens toujours au point zéro. Tout ce que tu fais se dégrade. Tout ce que tu fais se dégrade. Ça veut dire que ta vie est bloquée dans une prison, une forme de prison. Une forme de prison. Donc l'huile que vous voyez là, ça a été consacré. Alors quand l'huile, l'onction touche ta vie, comme le diable sait que c'est consacré, or l'onction vient briser le joug. C'est ça que l'apôtre Jacques dit, si quelqu'un est malade, qui va faire l'appel aux hommes de Dieu et que les hommes de Dieu prient pour lui en faisant l'onction d'huile. Or l'onction d'huile c'est quelque chose de très important. C'est une grande portée. Tous ceux qui ont expérimenté ça ont eu des percées. Or quand tu as un mauvais esprit en toi, c'est pas le premier cas que nous voyons ici. Hein. Il y en a plusieurs cas ici. Des gens qui ont utilisé de l'huile et qui ont fait des dépressions. Or, quand tu n'es pas pur, il y a une soeur qui me parlait de son père. Son père qui est venu ici, qui est sorcier, je devais l'interroger, échanger les aveux, il a fui. Il a quitté le centre, il a fui. Il s'est retrouvé malade, à Soubri, il est malade, gravement malade, sur le point de mourir. Parce qu'on ne joue pas ça. Mais en même temps, ça vous bénit. Amen. Amen. Parce qu'il faut que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, l'homme est très précieux. Je disais ça hier à la croisade. L'être humain est très sacré. Or, le diable sait, sachant que tu as une bénédiction, sachant que l'homme est sacré, c'est l'être humain plus cher que le chouchou de Dieu que Satan cherche à détruire. C'est pour ça qu'il a fermé vos vies. C'est pour ça que certaines choses sont dégradées dans vos vies. Or, pour redémarrer votre vie, il faut qu'il y ait une action, qu'on mette une action. Pour la délivrance du peuple d'Israël du pays de l'Égypte, il a fallu une action de Dieu. Dieu va inspirer quelque chose à Moïse. Dieu a dit, mais pour sortir de l'Égypte, il faut qu'il y ait du son des agneaux et qu'on le mette sur les linteaux des portes. Et quand l'ange de l'Éternel passe là, passait là, il voyait toujours, et quand il voit, paf, il passe autre. Quelle est l'action qui a été menée pour libérer ta vie? C'est ça le problème. Moi, chaque mois, l'huile ne manque pas sur ma tête. Je renouvelle ça. Parce que c'est vraiment important. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment important. Et quand vous regardez dans la tradition judaïste, les Juifs ne manquent pas de l'huile dans leur maison. Amen. Amen. Ils ne manquent pas. L'huile, vous voyez là, c'est vraiment puissant. C'est quelque chose de très sacré, très puissant. Que vous devez même m'avoir mes chevaux à la maison. Amen. Amen. Chevaux à la maison. Ça va briser. Ça va briser toute forme de joug sur vos vies. Et ça va libérer vos vies. Laissez-moi régler un petit problème. Venez, monsieur. Eh bien, toi. C'est ton père? Attends. Viens. Il s'est craché. Vous voyez pas que c'est craché? Ça met ton sang là, même, c'est propre là. C'est pas caché, c'est propre et propre. Tu as une fois parlé devant moi? Ok. Par contre, je l'ai amené à la maison. Par contre, tout ça. Ton père est là. Il souffre. Et tu vas nous parler d'où vient son problème, qu'est-ce que tu as dû faire sur sa vie. Et c'est important pour lui. Excusez-moi. Hein. Tu y avais. Comment t'as contacté la sorcellerie? Quelle grand-mère? Mon visage comme ça. Ta grand-mère? Comment t'as donné la sorcellerie? Elle fait quoi? Comment elle t'a initié dans la nourriture? Vous pouvez prendre les chiens, vous pouvez pas fatiguer. Allons-y, comment elle t'a initié? Elle a donné la nourriture, j'ai mangé. Et ça, c'est devenu sorcier. Elle a dit que quelqu'un est bon. Elle a dit de donner quelqu'un qui est bon. Qui? Ma petite soeur. Quelle petite soeur? Non, ma petite soeur. Mm-hmm. Elle t'a petite soeur comment? C'est ma petite soeur, elle-même. Elle te l'a donné. En quelle année? Quand tu dis donner, ça veut dire quoi? Je l'ai livré. Tu l'as tué? Moi, je veux entendre la tuer. Tu l'as tué comment?
Elle dormait, puis tu as fait quoi? Comment tu l'as sauvé? Et puis après? Tu as mangé. Quelle sauce? Ah, toi tu braises. Ce temps-là, c'est dangereux. Tu n'as pas le temps d'aller faire marcher. Quand tu as d'autres font le logo du goût, ils cherchent aubergine. Maintenant, oui, on va aubergine. Maintenant, on va tomate. Toi, tu manges vite, vite. Tu braises. Ceux qui braisent, c'est les plus dangereux en matière de sorcellerie. Mais oui. Ils n'ont pas le temps d'aller faire marcher tout ça. En même temps, ils font le feu, ils braisent, ils mangent. Et tu as déjà tué combien? 12 personnes. Comment tu fais pour tuer les gens? Wesh. Quand mes ongles sortent. Ah donc tes ongles sortent. Ça sort comment? Tes ongles sortent. Mais explique. Quand tu dois tuer quelqu'un, tu as fait quoi? Comment? Non. Tu sais, moi j'aime bien les explications claires. Quand tu dis tes ongles sortent, ça sort comment? Quand tu dois aller en mission. Voilà. Maintenant t'explique bien. Quand tu dois aller en mission pour tuer quelqu'un, et tu fais comment? Comme ça. Tu dis rien, tu ne fais pas des incantations. Ça sort. On a un expert en sorcellerie. Quand tu me fais opérer les gens, tu parles plus ça. Ça sort, non? Ça sort. Il dit parle pas. Non, toi aussi tu m'as. Non, connais. Tu peux pas parler comme ça. Donc sinon, ça allait sortir un coup. C'est une mission. Donc il y a des incantations que tu fais. Et c'est ça, cet élément là qu'on veut faire sortir. C'est un pouvoir qui est en toi, qui dort. Mais quand il y a une mission, il y a des incantations que tu fais. C'est ça. Ou bien Satan il demande, je suis en train de te délivrer ou bien? Non. Je te délivre pas. Hein? Tu dis, tu fais quoi? Moi, quand je disais, quand ma mère m'a laissé, elle m'a donné un pouvoir. Donc elle disait, il a tué tout ça, mais que ça se passe comme ça. Donc tu es là et puis ça sort? Non, quand j'étais à la mission, je tue les gens. Tu dis rien. Même pour rentrer à la maison de quelqu'un, tu dis rien. Quand il est allé tuer quelqu'un, là, je dis quelque chose. Mais quand elle m'a gradé. Elle t'a gradé quoi? C'est quoi là-bas? Là-bas, c'est moi qui l'ai su. Hein? C'est moi qui l'ai su. Quoi? C'est moi qui l'ai su. C'est ce qui est grade. Tu l'as su comment? Moi, je l'ai su. Non, ta grand-mère, elle te prépare à prendre le trône. Donc, ça veut dire que tu es venu. Quand tu es gradé, là. Non, on comprend déjà le langage, ça veut dire que tu as pris la place de ta grand-mère. Tu peux venir souffrir ta grand-mère? Non, tu as déjà pris la place. Parce que quand ta grand-mère te dit, quand tu dis qu'elle m'a gradé, c'est qu'elle t'a déjà donné ça. Ah, tu connais vos langages? Elle t'a gradé. Tu ne peux pas jouer, toi? Tu as tué 12. C'est suffisant déjà pour prendre le trône. C'est très suffisant. Ah, vous la regardez, elle est dans la cour petite, dangereuse. Oui, elle est étonnée. Ouais, mais elle est délivrée, désactivée. N'ayez pas peur. Quand vous venez quelque part, vos yeux brillent. Laissez les petites, tu les y. Mais oui, il y a des gens comme ça. Quand ils veulent mettre dans les centres de prière, les yeux sont sur tout le monde. Vous ne savez pas qui est qui ici. Dans vos lampadaires, là, vous fermez ça et puis vous restez tranquille ici. C'est comme ça. Oui, et puis tu as fait quoi? Tu as tué les 12 personnes. Comment? Non, explique. Sois libre quand tu parles. Sois libre. On est en train de te délivrer. Quand tu dis flécher, ça veut dire quoi? Il y a flèche. Flèche, ça veut dire que tu as une lance, tu lances. Hein? Voilà. Maintenant, explique comment. Moi, je prends mes gants, là. Tu vois quoi? Je prends mes gants, puis je le mets dans mon oeil. Mais toi-même, t'es dangereux. Tu es des mots atroces. Tu le vois mourir quand dans les yeux. Et puis, tu le tues. Tu mets dans ses yeux. Et puis, le gars, là, il se débat. Tu penses que c'est l'homme qui est monté sur toi, la nuit, les gens, tu te débats, c'est parti. On dit mort subite, non, il n'est pas tombé malade, il est mort. C'est comme ça?
Comment ça tu les gens? Vite, vite. Maintenant, tu les braises. Tu les braises. Comment tu fais? Tu braises. Maintenant, quels sont les gens que tu as gâtés? Qu'est-ce que tu as gâté, les gens? Hein? Ton argent. Non, tu expliques. Tu as ton argent. Ton papa t'a donné l'argent parce que c'est, tu as sa fille. Va à l'école avec l'argent. Et toi, tu trouves qu'il y a une banque où on doit garder ça. Lui, il ne sait pas, il ne connaît pas la banque. Lui, toi, t'as envoyé ça où? Ça nous a canari. Il n'y a plus, c'est ça? Il y a des problèmes. Tous les problèmes. Ça fait quoi encore? Mais explique. Explique bien, je voulais le tuer. Comment tu voulais le tuer? Non, on fait tout ça, on te forçait pour parler. Je voulais les tuer. Et bien, je voulais... Non, moi je... Oh, mais on te force. On t'a de forcer. Non. Comment t'as voulu les tuer? Je vais faire Je l'avais programmé comme ça. Et pourquoi? Comme tu as un deuxième papa, c'est ça? Ton père, là, il y en a deux. C'est ça? Il y a un deuxième père. Hmm? C'est ça? Il y a l'assassinat comment? Il y a l'assassinat. Monsieur, tes poulets, là, nous amènent. Hein, va t'occuper de tes poulets. Va tes colonels qui gèrent les poulets. On est pour les sorties ici. Oui. Vous êtes la peau quoi? Le père, c'est que le père. Elle est mourue dans la cible. Et qu'est-ce que tu attends encore? Elle va faire le conflit. Va appeler enfant. Et pourquoi? Hein? Tu vas attendre ça? De quoi? T'es jaloux, tu deviens sorcier. Ou t'es jaloux? Sorcellerie sur vous. Tu es trop jalouse. Tu es trop jalouse. C'est ça? Comment? Tu dis comment t'as jalousie? Hein? Donc tu as fait quoi? Ça fait quoi? Donc, je vais voir son enfant. J'ai envoyé ça à l'enfant. Comment tu as fait ça pour prendre? Quand il donne à sa femme, c'est ça que je veux dire. Tu es malade. Tu ne couches pas avec lui. Quand il a éjaculé en toi, tu allais prendre ça pour jeter là-bas. C'est pas ce qu'il t'a fait? Mmh. Et pourquoi tu dis que tu couches à sa femme? C'est pas ton mari en sorcellerie? C'est pas mon mari. Alors? Je lui dis quand il couchait sa femme. Donc tu as gardé ça où? C'est pour dire, il y a l'aspect, il y a le truc qui fait les enfants, produit, qu'on a, voilà, qui produit, fait les enfants, fécondation. Cet aspect-là qu'ils récupèrent, qu'ils amènent quelque part, qu'ils détruisent complètement. C'est ça? Oh. Et ça fait quoi là? Ça dort là-bas? Et tu as gâté quoi encore? C'est la seule personne qui t'a détruit. Sa femme. Tu as fait quoi sa femme? Elle a eu le mordu. Tu l'as fait quoi? Il l'a mordu. Comment? Parce que... Tu fais comment? Il a fait qu'elle a fait parler dans ma tête.
Faut bien expliquer. Il y a une palabre. Mais comment tu arranges, tu t'arranges pour mettre palabre entre deux personnes? Faut expliquer. Comment tu t'arranges pour mettre palabre entre deux personnes? Tu fais comment? Je dis quelque chose. Tu vois, ça arrive, c'est devenu, non? Quelque chose dit quelque chose. Mais comment tu arrives à mettre, si le cœur, elle dit la personne, comment tu arrives à mettre ta main sur le cœur d'une personne? Il me fait invisible, la personne ne me croit pas. Tu te fais invisible. Comment tu fais pour être invisible? Tu touches toi tes cheveux. Invisible, oui. Maintenant, quand il devient invisible, il prend la main, il met à ce côté. Puis il dit que donc, il faut que je fasse la main à la personne. Puis quand tu fais la main à la personne, maintenant il rentre dans un film en mode. Alors tu peux, tu avais ce pouvoir de rentrer dans une personne. C'est possible. C'est ça, quand tu vois une fille, il faut bien la regarder. Il faut la regarder comme ça, il faut la regarder comme ça, il faut la regarder comme ça, pour voir si il n'y a pas petite sorcellerie en elle. Ah! Pendant qu'il t'entend l'embrasser, elle peut donner cancer du cerveau. Elle prend son cerveau là comme dégué. Le cerveau, c'est blanc. Pendant qu'il te l'embrasse, chérie, c'est dégué l'antenne de bois. Elle cherche un sucré pour accompagner. Prendre son cerveau là, elle cherche pain sucré. C'est dans sa bouche, elle dit, où est mamie qui vend pain sucré là? C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, pour dire bonjour, on regarde bien. Monsieur, bonjour, il dit, ah, pourquoi tu me salues trop comme ça? Il y a quoi? Tu veux pas ton bonjour? Je suis devenu prudent, hein? Ouh, j'ai fait des sorcelleries, je suis devenu très prudent. Et c'est important. Rien les dispositions, les gens prennent à cause de l'Ebola. Parce qu'il y a la maladie. C'est ça. Oh, quand il y a une épidémie, on prend des dispositions. C'est ce qu'on a dit aux gens. La sorcellerie, c'est plus grave que celui d'Ebola. Oh, c'est dangereux quand on dit il est tué. Et c'est pas elle seule. Il y en a plusieurs personnes comme ça que les gens tuent dans les familles. Sans raison, on les tue. J'ai dit, mais c'est en français. On dit une mort mystique. Une mort mystique. Voici le combat que nous menons. Voici l'homme a droit à la vie. Ton propre père. Il est là et toi tu le terrorises, Et son propre agent, c'est avec l'arrange le pouvoir de l'homme. Garde, tu n'as pas ça. Tu as des cachets. Tu allais chercher à prendre crédit. Tu as un crédit là. Il y a humiliation sur toi. Et je fais ça. Ils vont t'humilier. Si tu as fait un doulaquet, tu es mort. Lui, mais c'est là où il y a plein d'hommes écrits sur toi. Hé, monsieur, tiens! N'est-ce pas dans le public, je voulais te cacher plus. Je ne suis pas fait d'argent, là, Dieu la tient. N'est-ce pas? Je ne suis pas fait d'argent, je te humilie. Il y a l'humiliation dedans. L'humiliation. C'est pour ça qu'il faut combattre ce fléau. C'est un fléau. C'est un fléau. Et quand on a ça, on est comme on est bête, malade. On a plus le sens de la raison. Les personnes dites aimer, c'est des personnes qu'on maltraite. Comme des mazos. Oui. Les sorciers, ils les voient comme des mazos. Hein. Ils aiment voir les gens souffrir. Et les gens voient ça comme... Vous savez, moi, si je n'ai jamais été victime de la sorcellerie, je n'ai pas cru à ça. J'ai vu ça venir comme ça. Moi, ma soeur, mon frère, je venais ça venir. Je savais qu'ils allaient m'attraper. Ils m'ont attrapé. Et depuis cela, je suis révolté contre la sorcellerie. Je crois trop à la sorcellerie. Et les gens laissent les choses faire, c'est fait. Oh, vous voyez les sorciers partout, mais ils sont partout. Ils sont partout. Et puis tu as fait quoi? Donc toi-même là, tu viens coucher à ton papa. Tu trouves ça normal. Ton propre père, tu couches à lui. Tu fais comment? Moi, il y a des questions, hein. Ben oui. J'ai des questions. C'est des questions très bizarres. Mais j'ai besoin d'une réponse. C'est spirituel, on ne voit pas. Il faut qu'elle nous explique. C'est qu'elle dit de l'autre côté. Tu fais comment?
qui me conservait à sa femme. Hein? Il la chasse à côté, elle rompt. Elle fait orchestre. Les orchestres des Gatiers là, on a d'abord Ayo Orchestra. Ayo. Ayo. Ils font dans tous les rythmes, dans brrr, elle ronfle. Maintenant toi tu fais quoi? Tu prends sa place. C'est ce qu'on appelle les sexes. Ah, il y a du corps. Tiens, vous n'avez pas saisi. Vous n'avez pas saisi. Vous n'étiez pas ici alors. Vous n'étiez pas ici. Vous êtes, ça vous saoule. Reprends. Il y a dit que le confond à sa femme et que ça à sa femme. Et puis tu couches. D'autres détails là, maintenant, je veux plus. On a déjà tout compris. Et qu'est-ce que tu as gâché encore? Il a mordu. Oui, je t'en parle. Il y a quelque chose que tu as fait, celui que tu n'as pas encore dit. Si tu me dis ça, eh ben, on va te délivrer. Vous savez, ils sont très rusés. Le diable, il dit jamais tout. Il va parler, il va te regarder. J'ai tout dit. C'est un menteur, il ne dira jamais. Puisque c'est une règle là-bas chez eux, il y a des choses qu'on ne doit pas balancer comme si c'était secret. Tu sais qu'il y a soleil. Reste sous le soleil. Vas-y, soleil, on t'enlève, t'envoie ici. Tu sais qu'il y a soleil. Pour m'enlever sous le soleil. Reste là. Tu connais le soleil. Je sais qu'on t'enlève tout à l'heure, là, tu ne voulais pas. Tu sais comment on t'envoie ici. Maintenant, tu sens que le soleil brûle. Ça va te brûler un peu. Comment tu fais? Tu as fait quelque chose. Elle se transforme à une petite souris. Et puis elle vit en toi. Elle mange tes poumons. Elle mange en toi. Elle se transforme en une petite souris. Elle mange. Ou bien? Hein? Qu'est-ce que tu as fait là? Hein? Tu fais comment? Ici, non, on ne parle pas la place des gens. Sinon, le prophète peut te dire, voici. Ce n'est plus les aveux, c'est une révélation. Or, les aveux aident les sorciers. C'est une manière de briser le pacte. Parce que chez eux, quand on te fait rentrer dans une confrérie, tu ne dois plus dire des choses. Ce qui se passe là-bas, tu ne peux plus dire. Or, pour briser le pacte, il faut parler avec les aveux. Tu fais comment? Maintenant, je rentre dans sa chambre. Tu rentres en lui. Faut bien expliquer. Vous avez chair de poule, non? On a chair de dedans maintenant. Depuis là, il arrive pas. Ça demande chair de dedans. Ah, je vous ai dit, vous êtes sort. Vous demandez chair. Vous avez commencé à avoir chair de dedans. Moi, tu vis. La situation. Oui, l'enchaîne des dents maintenant. J'aurais dû essayer, vous dire, non, on peut s'arrêter. Maintenant, petit avion, il sourit là, où cherchez chaise. Oui. Tu peux pas expliquer nous. Je dis que le papa m'a trouvé, Elle dit quoi? J'ai dit que le profond m'a souri et puis je rentre dans sa chaussure. Maintenant qu'il veut porter, il ne voit pas que je rentre. Oui. Et maintenant tu manges. Tu manges. Tu le manges. Tu le manges. C'est ça? C'est la seule tenue qu'il a. Mais c'est une bonne chose, vient de quoi?
Vient de quoi? Vient de l'homme. Elle t'a donné ça pour manger. Hein? Eh, hey, tu viens, est-ce que moi il t'a appelé? Il t'a pas appelé, toi, tu viens, il t'a appelé. Est-ce que je l'ai appelé? Quand tu commandes quelque chose pour achever, il t'a appelé? Petit, il t'a demandé de parler. Je te pose la question, qu'est-ce qui se passe? Où elle est? Elle t'a donné quoi? De quoi? Et puis quoi, ça vient de ça, fait quoi? Tu l'accuses ou elle t'a donné? Et puis c'est plus, ça fait quoi? C'est la suite qui nous intéresse. Tu parles pas. Il t'a donné là, ça fait quoi? Ah, ça fait rien. Donc il va m'en aller. Ah, il dit ça fait rien. Quelqu'un dit, il est venu commencer à dormir. Donc il dort bien. Faut parler. Je ramène ton argent. Libère toutes tes finances. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Tenez-vous debout. Monsieur, venez ici. Allez-y. Allez-y. Mon interprète Choco, là, viens. Toi, tu parles d'Ida d'Abidjan. Tu es malade depuis. Qu'est-ce qui a fait que tu es tombé malade? Mia. J'ai dit, il n'a pas bien écouté ma question. Qu'est-ce qui a fait qu'il est tombé malade pour se retrouver ici? C'est Dieu qui l'a pris. C'est ce qu'il a. Dieu t'a attrapé. Ok, tu as fait quoi? Puis t'as attrapé. Il dit, il sort dans son camp la nuit. Il dit, va se promener. Promener seulement. Tu te balades, tu ne gardes pas. Tu ne manges pas. J'ai dit, quand tu sors là, pour aller te balader là, tu ne manges pas là-bas. Quand tu es là, tu es là.